bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de notre incroyable aventure sur Resident Evil 4, et on revient en arrière, n'oubliez d'ores et déjà pas le like et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir, évidemment installez-vous et plongez-vous dans le noir, 4K, 60 FPS, la base, et j'ai eu l'astuce grâce à vous, je me doutais bien. Étant donné, les gars, il y a un bandeau jaune, et le bandeau jaune, veut dire que normalement, c'est un indice pour dire, oh, tu peux aller par là, c'est un chemin. Sauf que j'avais déjà essayé l'épisode précédent, et je n'avais pas réussi, mais en fait, il suffisait d'appuyer sur croix, d'attendre que le mot « descendre » apparaisse. Donc, c'est totalement de ma faute. Merci beaucoup encore une fois. Les amis du chat, vous êtes incroyables, évidemment. Ok, j'ai fouillé ici, il n'y a que dalle. On va passer ici. Hop, ici, il n'y a malheureusement rien à lire. Heureusement. Alors déjà, heureusement qu'il y a Findus. Et heureusement que le stuff reste. Ça, c'est très, 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 très plaisant. Allez, on est parti. Vous savez, tout le stuff, soit des ennemis morts, soit des coffres. À l'époque de la PlayStation 2, ça ne restait pas. Il y avait très peu de jeux hein, qui avaient... Qu'avait ce truc, parce que ça ne pouvait pas se save, je crois, sur une carte mémoire. C'était des métadonnées quand même très très chiantes, pour le coup. Oh! Hop! Allez! Let's go! Ça, c'est comment bien... comment bien commencer? Excusez-moi! Un épisode, évidemment, vous l'aurez compris. On va ouvrir. Déjà, ça, toi, tu sais. Mais est-ce que j'avais loupé un truc ici? Non, on peut y aller. Oh là là, merci le chat, vous êtes exceptionnel. Et j'avais essayé, hein. J'avais essayé, souvenez-vous, je m'étais collé justement dans le truc. Parce que, effectivement, en termes de level design, quand vous avez au bord de quelque chose une sorte de jaune. En fait, faut savoir que dans Resident Evil 4, le jaune, le violet signifie marchand. Le jaune signifie empruntable, cassable. Voilà, tout simplement. Donc c'est un très très bon point de repère. J'ai encore rien pour ouvrir ici, donc pas de souci. On continue. Là, je crois qu'on ne peut même pas y aller. Hein. On avait checké. Ça bon, voilà. On ne sait jamais. Peut-être qu'il aurait dit quelque chose de très intéressant. Chercher un autre chemin qui est ici. Je peux aller à droite. Je peux aller à gauche. Ceci dit, attendez. J'ai peut-être menti sur la gauche. Non, il n'y avait rien d'autre que le trésor. Ok, donc je ne peux aller que dans la fissure. Allez, on est parti. Bibiche, c'est parti, let's go. Ok. Ok. Ah, bien. Un rubis, superbe, je prends, évidemment. Et ça, je prends, évidemment. Chose très intéressante, j'ai bien lu vos commentaires pour les joyaux de toutes les couleurs. Pouvoir continuer par et le multiplicateur, arrêtez de paniquer. C'est terrible, terrible. Ah les gars, on est dans la cave de Fufu ou quoi là? Wow. Suspect. Suspect. Très 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 suspect. Alors, note du gardien. J'ai de nouveau été réveillé au beau milieu de la nuit par ces bruits effroyables provenant du sous-sol. Les bruits des griffes contre les murs, de pierres accompagnées de grognements glaçants, cet homme nourri d'une telle haine qu'il pourrait détruire le monde. Il servait autrefois le seigneur du château en tant que bourreau, tout comme son père et son grand-père avant lui. C'est l'un des héritages les moins prestigieux de la famille Salazar. Même au sein de sa famille, il était différent. Il aimait sincèrement son travail et il le faisait bien. Il était doué pour torturer les autres. Son habileté ne tarda pas à attirer l'attention du maître. Et lorsqu'il l'emmena dans les cachots, non. Je ne peux écrire cela, c'est au-dessus de mes forces. Je refuse de me rappeler ce qu'il s'est passé là-bas. Il en va de ma santé mentale. J'ai reçu l'ordre de m'occuper de lui. Je dois le nourrir et nettoyer la crasse, tout en écoutant cette voix sordide chaque nuit. Je n'en peux plus, j'en ai assez. Je ne peux tolérer une nuit de plus dans ce château. Je partirai demain, aussi loin qu'il le faudra, pour ne plus entendre cette voix. Ah, pauvre.
C'est pas une belle mort. Ouais, non, non. Il a pris sa part, hein, le frère. Très bien. Là, évidemment. Oh, je déteste, je sais ce qui va se passer. Quelle angoisse. Ok, c'est l'autre fou, là. Il est terrible, lui. C'était quoi? Il y a des animaux ici? Il y a pire que ça, bibiche. On dirait une moto, là, une tronçonneuse qui démarre. Bon, pour ceux qui avaient vu mon let's play, c'est Freddy Krueger, les griffes de la Night. Ok. La lumière est perdue. 1. Ah ! Je me suis chié dessus, putain. Je me suis chié dessus! Oh. Arrête, arrête, frère! Tu sais pas ce que tu fais là! Oh la vache! Mais non, j'esquive! Ça, quand on va en affronter deux, mon frérot, va falloir rester accroché, je te le dis. Ok, bah voilà, voilà, voilà. Alors, elle en pense quoi, cette France? Bébé. Ok, c'était très sympa. Ah. Par contre, Ashley, on s'agit. Oh non, on va y en avoir un autre. Ah non, c'est qu'en fait, j'aurais pu aller là, tout simplement. J'aurais pu aller là. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, vous savez que j'aime le challenge. J'aime le défi, j'aime... J'aime ce plaisir de découvrir. Ok. Ben écoutez, on peut se faire ça. Un petit plaisir, évidemment, ça n'a pas de prix. Très bien. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, let's go! Ça, c'est fait. Ouais, c'est un petit moulinet. Bon. Ouais, par contre, clairement, je vous avoue que je n'aimerais pas... J'aimerais pas en trouver 50 des mecs comme ça en même temps. Ça risque d'être très, très chiant. Si vous voyez ce que je veux dire. Je fais un dernier tour du propriétaire. Ça va, le propriétaire va bien. Ok. Très bien, ça. Ok. Superbe. C'est parti. Vous voyez, il y a du jaune par tous les chemins où on peut... qu'on peut emprunter. Oh putain, il fait peur, la con.
Je l'ai. J'arrive. C'est toi. Miskin, t'es resté là vraiment. Oh, c'est chaud de fou. C'est chaud de fou. Elle a dû stresser de fou. Pour les amis. Ok. Ouais. On se casse. Tout va bien. Ça va. Du moins. Oh. Pour l'instant. J'aime bien. Ok. Y a pas des petits écrits, quelque chose? Donc ça, c'était le bourreau, hein. Des Salazar. C'est pas un boss, hein. C'était même pas un boss, hein. C'est un de la famille, quoi. C'est la mif, hein, finalement. Hein. Et on embrasse toute la mif, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se refaire un petit plaisir. Ça, y a pas, ça s'arrête pas, les petits plaisirs. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer ici? Bon, en vrai, on peut se faire ça. Voilà. Très bien, ça me plaît. Oh, une spinelle, mon pote. Check ça. J'avoue que je me suis chié dessus quand je me suis effondré sur moi-même. Ok, j'ai cru entendre quelque chose qui se balançait. Qu'est-ce donc? Waouh. Vise un peu tout ça. Ok. Si on fait ça. Ouais, c'était évident, hein. C'était totalement évident. Attends, il y a quoi derrière toi, Bichette? Ah, tu nous l'as caché, ça, Ashley. Ashley Agrams. Impossible. Quoi? Ah, d'accord, ok, ok, ok. Je l'ai. Tu peux peut-être faire résonner ces gongs en tirant dessus. Ça va coûter cher. Une épée ensanglantée? À quoi ça sert, ça? Certainement pas à combattre. C'est seulement une réplique. Ok. Je peux le mettre où, là? Dans mon fion. Ah, d'accord, ok. Épée dorée. Ah ouais, d'accord. Bon, ça. Hop, c'est ça. D'accord, j'ai compris. Alors, somme toute logique, épée ensanglantée. Il y a l'épée rouillée. Épée rouillée. Épée, ok. Ah. Ok, 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 ok. Alors, je suppose que l'épée dorée... C'est souvent... Pour moi, l'épée ensanglantée, c'est une fois mort. Bah alors, attendez, parce que je dois louper... Je dois louper sur un des tableaux, il doit y avoir un bail, tu vois. Ou même peut-être un bout de papier, quelque chose qui peut m'expliquer la teneur des événements. Et si je fais ça? Ah, on peut plus le faire. Alors. Pour moi, l'épée dorée est à sa place. Ok, l'épée rouillée, donc. Pour moi, l'épée ensanglantée, donc là. Là, l'épée rouillée, c'est à la fin, en fait, quand il est mort. I suppose. Donc, épée de fer, épée dorée, épée ensanglantée, épée rouillée. Là, ça me paraît logique. Toujours pas? Si. Voilà. Ok. Apparemment, t'avais raison. J'ai toujours raison, Ashley. C'est bizarre, il y a moins de monstres que ce que je pensais. Wow.
Voilà, mon gars, il y a quoi? Hop. Une vipère. Une vipère dans la sacoche, serre. Ok. Très bien. Très bien. Et... très bien. Superbe. Allez. Ça, c'est un beau cadeau, ça. Y'a rien d'autre? Je check les plafonds, tu connais. On y va. Ah! Attends. D'accord. C'est la même pièce que tout à l'heure, non? On a dû tourner en rond. Oh les problèmes. Oh les problèmes. Ok, 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 j'ai compris. Effectivement, on est dans le hall principal. Hein. Là, ça, on prend ça. Ça me permettra de faire des trucs trop cool. Un cheval, on s'en branle. Là, c'est quoi? Surtout, essaye pas de faire ce que je fais. Sorte de corbeau. Moi, ça risque pas. Ouais, vas-y, hein, go. Hein. Ça, vous savez que ça m'attire, c'est des trésors. Allez, sablier doré, let's go. Ok, ça me plaît. Alors, si je fais ça et que je fais ça, ok, ça sert à rien d'examiner, il n'y a pas de truc caché, tu vois. Ok, 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 ok. Alors, ça va mon ref? Est-ce que je vois pas mal du tout là? Ah, je l'avais oublié. En quoi puis-je t'être utile? Clé des cachots, on va attendre, on sait jamais. J'achète tout et n'importe quoi. Ok. Merci. Ok, ok. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Ça pourrait comme neuf. Et c'est ça pour voir. Et voilà. Comme tu l'as dit. Ok. Reviens quand tu veux. Ça me paraît pas mal, les amis. Ça me paraît pas mal. Allez, save. Hop. On est bon. Let's go. Pourquoi? Sauter sur des chandeliers. C'est quoi cette idée? Tu te prends pour ma mère? Oh bah d'accord. Leon, depuis quand tu parles comme ça? À des jeunes demoiselles? Attends. Hop. Attends-moi, Ashley. Ok. D'accord, donc il est parfaitement à l'autre bout. Très bien. I suppose. Boum. Et il est là. Ah putain, il est là. Ah d'accord, en fait ça reste. Ok. Ça reste. Ça restait allumé. Non mais c'est bon, c'est moi qui vais te rejoindre, Bibiche. T'es con quoi? T'es passé par là où on doit aller. Bon, c'est là où on était, les amis. Let's go. Waouh. Hop, ça on prend. Commence à avoir beaucoup de balles de pistolet. Est-ce rassurant? Je ne pense pas. Salutations, monsieur Kennedy. Êtes-vous enfin prêt à livrer la fille? Putain, ça faisait longtemps. Je me suis permis d'organiser un petit divertissement rien que pour vous. Sans plus attendre, voici l'histoire du preux chevalier qui protège la princesse. Ah, il peut aller là. Ok. Oh, bienvenue dans le hall. Ça va, Bibiche? Ok. Très bien. Je regarde, je check juste. Wow, ça c'est une grande porte, hein. Eh, les grandes portes, j'aime pas de fou, hein. Donc on va tranquillement faire la petite porte là. Yo, ça va ou quoi?
C'est carré. Boum. On prend. Oh. Alors, les parasites et leur écologie, volume 2. Il existe des parasites capables de contrôler leur hôte. Bien que ce soit un fait bien connu de la plupart des biologistes, on ne sait pas grand-chose sur la façon dont ces organes opèrent. Voici... Ouais. Voici une liste de plusieurs de ces parasites. Le Dicrocrolium. Lorsque les larves de ce parasite migrent vers le ganglion nerveux sous-œsophagien d'une fourmi, il altère son comportement. Quand la température baisse le soir, pendant les heures de pâturage, la fourmi infectée grimpe au sommet d'une plante et s'accroche à une feuille à l'aide de la mandibule dans l'intention d'être mangée. Donc ça, ça existe vraiment. Le Galactosomum. Les larves de ce parasite se logent dans le cerveau de certains poissons, comme le céréole. Une fois infecté, l'animal remonte à la surface de l'eau, où il nage jusqu'à se faire dévorer par les oiseaux. Ça existe aussi. Le Locochloridium. Ça existe aussi. Les scorocypes de ce parasite se développent dans les tentacules oculaires de l'escargot, et ils bougent comme des vers. Ah non, ça n'existe peut-être pas, ça. C'est justement, à mon avis, pour expliquer le délire des plagas, des las plagas. Et le force à se déplacer vers le sommet d'une plante pour être bien en vue des oiseaux une fois avalé par le volatile. Le parasite se termine sa métamorphose et passe au stade adulte. Ok. Ok. Non. Okay. Bon, allez, on est reparti. Petite save, ok, let's go. À mon avis, si vous voulez savoir ce que j'ai en tête, une grande porte comme ça, ça ne peut que swinguer. Et pourtant, je me souviens pas ce qui se passe derrière chaque porte. Mais une grande porte comme ça... Wow. Ok. Ok. Aha. Léo, ils sont là. Ah, le divertissement. Wow. Ok. Merci. De rien. Alors attends. Putain. Wow. Oh. Ah là là, mais qu'est-ce que tu branles? Viens par là, bibiche. Viens. Ok. Ça s'arrête jamais. Ahí está, ahí está. Ashley. Ashley. C'est pas vrai. Ça va? Allez. Ouais. Attention. Oh oh. Je le savais. Oh, j'entends des bruits partout. C'est bien ce que je pensais. Ok, viens, bibiche. Tout va bien? Ouais, t'inquiète. Ok. Belle pièce, hein. Belle pièce, hein. Hop, ça, je prends. Il y a des geysers de pétrole, les gars. Ça, je savais pas. Je savais pas que vous faisiez dans le pétrole, ici. Ok. Oh, la vache.
C'était chaud, hein. Il y a du monde, il y a du peuple, il y a du peuple. Mais j'entends des mecs juste au-dessus, c'est terrible. Ok. Wow. Ok, on est parti. Putain, et là il en faut des balles. Hein. C'est Space Invaders en bas, les gars. Bon, allez. Point. Wow. Oh, ça c'est nouveau ça. Foutez-moi la paix. Ok. Bon. C'est pas mal, non? Vous en pensez quoi? Il y avait ça aussi. Ça aurait été aussi très très bien. On va pas se mentir. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça. 6 cartouches, mon pote. Vous savez que le pompe quand tu paniques, c'est ton fils ta bataille, hein, faut le savoir. Ah. Oh putain. Vous êtes chiant. Ok. Là je l'avoue que pour l'instant bougez pas, je ne l'ai pas. Au moins c'est fait, frère. De toute façon je l'utiliserai pas. Oh putain, ok, si, je crois. Ça devrait faire l'affaire. C'est ce que je pense que tu penses que je pense. Ok, on va voir déjà ce que ça fait ça. Ok. Bougez pas, je reviens. Ok. Va-t'en. On y va. Ça marche. Ah, oh, sale. Oh là là. Oh, je suis
suis en pleine concentration. Suivant. Attends, fais pas le malin, Léon. J'arrive, toi, là-haut. Oh, la vache. C'est bon, là ? Tranquille ou pas tranquille ? Allez. On est parti. Eh ben ! Attention que ça s'arrêtait plus. Super, t'as réussi. On n'est pas encore tiré d'affaire. Enfin, attends, on en a pris plein la gueule, hein, cousine, hein. Ok, ça je l'avais pas vu. Je me suis chié dessus, putain, les Michael Jesus, j'ai cru que c'était un mec. Les amis, il est temps d'aller save. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure avec l'épisode 13. Bisous tout le monde. Et là, on a bien avancé, je peux vous le dire. A bientôt, je vais aller save au calme. Bye bye.